Dimour, et bienvenue et bienvenue dans le live du midi. Donc, le live du midi, c'est parti. Alors, où en étions-nous rendus? C'est un peu la merde, hein. On a perdu tout notre pognon. Les flics nous tiennent un peu par les cacahuètes, j'ai envie de dire. Et on se retrouve donc dans la banlieue de San Andreas. C'est pas glamour, on a plus de pognon. Non, on a gardé le pognon, mais on a perdu tous nos territoires, etc. Bref, c'est la marde. Notre frangin est à l'hosto. Bref, comment dire que ça se passe pas bien. Donc, en avant, Guingamp. Alors c'est vrai qu'il y a le DMCA, hein, donc il faut faire attention, est-ce qu'on garde la musique ou pas? Écoutez, de toute façon personne viendra le stream, on supprimera les clips, c'est pas bien grave. Et puis voilà quoi, donc, tout est remis sur YouTube, qui eux aussi me strike, donc il n'y a pas de soucis quoi. Ok, oulala, c'est parti mon kiki, c'est parti mon kiki. Ok. Donc Carlos Vasquez est par ici. Ok. Okay. J'attends parce que c'est une voiture assez puissante. Donc, devrait passer. Hop. Parfait. Tenderness? Do you prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Disconnected. Just business. What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love what you! What the fuck? When I say I'm no interested no more, I mean that I love wait. You! Hey, when I say that wait, I miss Catalina, you! Wait, leave my car alone! I did this for us, for me and you. It's too late. I don't love you no more. I love another, okay? What? Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions hold up. They need a release. That was a good release. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. This Carl? This is my new man. Are you jealous? Are you going to fight for me? No, I can take you. Jealous and a coward. Now let's race. Complètement taré. Elle est complètement tarée. Ah là, exactement. Ah, c'est un mec, tu pourras jamais t'en sortir. C'est pas la même voiture que j'avais. Intéressant. Oh putain, la poussière, les gars, les particules. Trop de particules, tue la particule. Okay. Ah voilà, là on passe devant tranquille. Ouh là là. Ah, j'ai une porte qui part en couille, une porte qui part en couille. Ah, en fait, faut pas être trop foufou. Le problème, quand on est trop foufou, après on contrôle plus rien et là c'est fini quoi. Merde. Qu'est-ce que je fais avec ta sœur dans ce jacuzzi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici. C'est ta cousine. T'es pas au courant, non? Okay. Bien sûr. I love you, girl. Ouh là là, j'ai raté le pont. I don't even know what
Heureusement qu'ils sont pas bons derrière. Ça, voilà, toujours être prudent. Voilà, là c'était beau. C'est un peu le Forza avant l'heure, quoi. Alors moi j'ai jamais été trop bon hein, dans les jeux de voiture. Hein. Mais c'était trop mon kiff. Le seul jeu que j'aimais vraiment, c'était, j'aimais bien, c'était Formula One. Alors lequel, ne me demandez pas, j'en souviens plus, c'était il y a très très longtemps. Après, Gran Turismo, ouais, je trouvais pas ça terrible. Non, après bon, c'était des jeux plus arcade, hein, c'était type Destruction Derby, voilà, où ça explosait, les voitures. Moi, ce que je kiffais surtout, voilà, c'était la destruction de bagnole, quoi. Quand les dégâts apparaissaient et tout ça, quoi. C'est pour ça que Gran Turismo, j'ai jamais vraiment accroché, je trouvais pas assez... Ah, ça se voulait une simulation réaliste. Mais en fait, comme les voitures qu'ils utilisaient étaient des voitures, justement, réalistes, bah, ils avaient pas le droit de... ils avaient pas le droit de les détruire. Parce que ça donnerait une mauvaise image de marque à... au constructeur. Parfait. Ah, la personne de Jesus, en plus, on va faire strike parce qu'on a gagné. Being a better driver ain't no unfair advantage. You think you're clever, but it is you who is missing the point. Not only was he racing, but he was satisfying me. Fully. What are you gonna say about that? The advantage of a stick shift, I guess. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. Hey, wait a minute, bitch! What is this shit? The deed to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Mmm! Yeah, bien sûr! Have a good time. I will! Ah, c'est elle! Fine. Okay! Katarina! Go. I ain't gonna miss you. Goodbye! Ah putain, bien sûr! Lego Racer, eh oui! Salut à qui, comment va? Comment va? Bon, le stream du midi. Hein. Stream du midi, une petite pause dans l'enfer. L'enfer du monde du travail. Bon, alors, tout ça pour dire que... à mon avis, il faut que je descende. Un mec qui va m'appeler, non? Lego Racer. J'ai jamais fait Lego Racer. Ah non, ça marche pas. Ah oui, Crash Team Racing. Crash Team Racing, bien sûr. Ça, c'est excellent. C'était le Mario Kart de la PlayStation, quoi. Putain, quel temps de merde. Bon, l'autre, elle s'est barrée, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Putain, il y a Denise. Hein. Denise qui m'a pas rappelé. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller voir Denise? Parce que là tout le reste est... Normalement il m'a dit Woodzimu là de venir si je viens à... Si je viens à San Fierro de lui dire bonjour. Et où c'est là San Fierro? Ah merde, l'autoroute était derrière. Shit. Non, 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 non. Un vigilant Twitch, je connais pas. T'avais Crash, t'avais Wipeout. Ah, première PlayStation. Ça, c'était pas mal. J'aimais bien Wipeout. Wipeout. J'essaie de creuser un peu les menus. Ah, bah j'ai pas le droit. Ok.
Wipeout. Roll cage non plus, ça me dit rien. Alors j'essaye de voir ce... quel autre jeu j'ai pu jouer. Ah bah si, les Need for Speed, bien sûr. Ça c'était pas mal, les Need for Speed. Alors, je sais plus c'était lequel que je kiffais trop. Après j'ai un peu laissé tomber la franchise. Mais ça devait être Need for Speed 2, je crois. J'étais jeune. Merde. Bon. Quand ils ont commencé à intégrer... il y avait les courses de police, là. Ça, c'était pas mal, si je vais bien. T'as rien connu, dis donc. Non, mais j'ai dit, moi, j'aimais pas trop les jeux de voiture, hein, donc... Je kiffais pas des masses, les jeux de voiture, donc du coup, j'avoue que... Je crois que j'ai principalement joué, c'était chez des potes ou des trucs comme ça. À part Need for Speed, je crois que c'est le seul que j'avais vraiment... Ah là là, ah là là, ah là là. Que j'avais vraiment, entre guillemets, entre mes mains. Ouais, c'est quand j'ai joué chez des potes. Mais non, les jeux de voiture, ça m'a jamais... Ça m'a jamais fait plus kiffer que ça, en fait. Ah, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hop. Hop, petit raccourci. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah oui, Burnout, exact. Burnout avec les ralentis de crash. Ça, c'est le seul jeu où parfois t'essayais de faire le plus beau crash, quoi. Ah, Burnout, c'était pas mal aussi. Bah, mais il est toujours là, Denise. Hein. Burnout. Hey, gorgeous. Take me for a drive, player. No problem if that's what you want. Et après. Let's go blast on some fools. This is just so me around here. I'm scared of you. Nikon. Let's go dump on some busters. Come on. If you want to, I'm dead. Quoi? Merde. Mais il est complètement taré. Excellent. Alors là, on va se remettre un petit peu de nos émotions, quoi. Bon, bah en tout cas, ouais, je suis un peu softlock, quoi. How about a little coffee? Ah ouais, bah moi je suis un bon garçon. De voir Marital. Mais ouais. Alors bon, on va parler par-dessus parce qu'on devrait pas se faire straquer, mais... Mais voilà quoi. Ah. Ah oui, quand même, je me disais un petit peu... Je vais être un petit peu mieux que ça quand même. Bah non, ça a été très rapide. Ah bah tu vois, ça a débloqué. Hey Caesar, the Yay leaving San Pedro, right? Right, they're using bikes, CJ, and they go cross country. Bah bien sûr. Oh, attendez. Bordel. Oh, ma bagnole, on m'a volé ma bagnole. Putain. Par contre, on peut lui voler la sienne. Alors attends. Ah oui, et puis il y a le... Si, il y a le mec là qui se balade les vendredis, je sais pas quoi là. Donc je chope. Ah ça va être trop par contre. Slow ride.
Ding, 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 ding. Take it easy. Slow ride. Ding, ding, ding. Take it easy. Slow ride. Take it easy. Slow ride. Ah, est-ce que le téléphone va sonner? Bien sûr. What's that? Hey, Carl, dude. Now I got the little Mau Mau you're after. But be careful, man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Whoa, man, I don't know you. I don't know you. Prank caller, prank caller. Ok. Oh fuck, c'est trop loin en plus lui. Bing, dun, slow ride. Je sais bien qu'à l'époque ça savait faire de la musique quand même. Slow ride. Take it easy. 4 mots hein. 4 mots, mais à bon sens. Ah non, un petit peu plus là. Putain, mais en fait, Radio X. Alors, qui a pris la bande-son de l'autre? Est-ce que Radio X ne se serait pas un petit peu. On aurait pas un petit peu pompé Guitar Heroes 3 quand même. Rock Band, parce que c'est vachement orienté à la BO quand même. Après, normalement, c'est pas. Non, c'est pas Touquet. Ah, je sais pas. De Guitar Heroes 3. Oh, il est trop bien cette bagnole en fait. Ah, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Oh. Allez, hop, on la laisse remettre. Tranquille. Petite égratignure, rien du tout, rien de bien méchant. Ah si, il y avait un jeu de... Ah, c'est pas vraiment un jeu de course, pour le coup, mais un jeu où tu utilisais beaucoup ta voiture et qui était dégueulasse à jouer. Mais l'histoire était trop bien, c'était Driver. Mais alors par contre la maniabilité du jeu, mais à vomir quoi. Driver. Ah, ça commence. Qu'est-ce que c'est que ça? Un ovni? Oh merde, c'était là. Alors, où est-ce qu'il est le méchant? Ah. Are you going to San Fierro? Ah bah parfait. Ah, Crazy Taxi, oui, effectivement. Ah, j'ai jamais joué, mais c'était sur Sega ça, c'était sur la Saturne, je crois. Peace. I've got everything you need, lone traveler. It's in the mothership. Back there. Thanks, man. Look, here go your paper. Ah, the karmic circle closes. All is as it should be. Crazy back Taxi. To the egg. Damn, man, there must be 2 tons of that stuff back there. 3 Rama. What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh, man, Narcs, you fucking rat. Dude, don't put that on me. You the one deal with Tenpenny. What's all this? Calm, brother. Panic paves the way to bad karma. Man,
We gotta torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. Oh putain, on va devoir tout cramer. Putain, mais le mec s'est fait plaisir quoi. Ah oui, putain, sur la map. Mais j'étais en train de chercher où c'était les... Parce que là j'entends les bip bip, mais... Quoi, ça correspondait, quoi. Eh. Mais il est parti où, mon pote? Il est parti la fumée, la ganja, en fait. La Marie-Jeanne. Les stupes, par contre, tu vas dire putain, il n'y a plus rien, mais ça sent bien l'herbe. Quelque chose de bizarre. Assholes, right wing assholes. Oh, I don't feel too good. It's a crying shame, ain't it? No, I mean, I think I'm gonna black out. Tu m'étonnes. You will drown, brother. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get her fired up. I'll finish burning and I'll follow you. Putain, je suis défoncé, man. Because I got high. Because I got high. Oh. Mais je vais pas avoir assez là, non? Je vais pas avoir assez. Eh eh. Ah, les stupes, ils sont sympas quand même. J'ai pas tout cramé. Comment ça, j'ai pas tout cramé? Ok. On va parler à Truth. C'est vrai que ça s'appelle Truth. La vérité. La vérité est ailleurs. We got a chop on our tail. We'll never shake them now. Hold on. I got a little something back here I was saving for a rainy day. Holy motherfucker! Where'd you get that? Found it in a bale of tie sticks. Shame, really. We're gonna make it into a lamp. Monte dans le vaisseau, merde. Terrible. Terrible les ravages. Ah là là, pap pap pam. Oh putain, j'ai envie de gerber. What
What you pull over for? You better drive. I haven't driven in 15 years. I'm on the radio. You was doing all right. Yeah. Wow, that sounds entertaining. Don't now miss I'm rolling the next up. Entertaining America with Laszlo. Shit, I better call Caesar. Hey, Caesar, no time to talk, man. I'm on my way to San Fierro, okay? I'll meet you and Kendall at that garage I wanted to race. Ah, tout s'explique. Ouais, il carbure le Volkswagen, alors je sais pas si parce que je suis déchiré ou quoi, mais... J'avoue. Man, we got 3 tons of grass on board. The engine block is held together with a macrame hammock and it's running. Merde, je suis en train de lire. Cooking oil. Shit. Can you shoot? Shoot. I'm a hippie. The only thing I've shot is acid. I heard about this dude snorted it once. Thought his nose was a kangaroo and the moon was a dog. It's gardening with Maurice, broadcasting live from his garden. Ah, désolé. Vous aurez un bon de réduction de 15 euros. There she is, brother. San Diego, city of psychedelics. Man, I can't believe I ain't been here before. There ain't a better place to escape the man. Okay, Mr. San Fierro, where's the spot at? It's in Doherty, on the east side of Fierro, between Garcia and Easter Basin. What's with all aluminum foil, man? Protection from mind control, dude. Mind control? Induction of images, sound or emotion using microwave radiation. Do you know how many government satellites are watching any citizen at any moment? No. 23. Do you know how many religious relics are kept at the Pentagon? No, I don't. 23. You see a pattern? Man, I'm seeing patterns all over the place. Get that smoke out my face. Théorie du complot, bien sûr. On adore ça. On adore ça. Ah, le, là, le fameux garage. Dégueulasse. This is the place. Whoa, Jesus, dude. Looks like you've been fed a bummer. J'avoue, je me suis bien fait. Bip. Si on peut sauvegarder quand même, parce qu'on a fait quelques miles. J'ai toujours... Ok. Donc, continuons. Wear flowers in your hair. Motherfucker! That mute asshole, that fucking snake without a tongue, gave me this shithole instead of a pink slip. I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world. Holmes, take it easy. At least we're alive. Carl! Friend, fellow traveler, relax, man. You're really killing my fucking vibe here. Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man, but I can't wait to get my hands on that mute and your bitch-ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? My bad, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look, we in a strange place. We got shit to our name. And for once, I try to make something work this garage. And it ain't even a garage. Then make it into a garage. Mais oui, bordel, sors-toi les doigts. Oh, that's a great idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot. Your whole life you wanted something for nothing. Now you've got something and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back, CJ. Come on, stop tripping, man. Both of you. Whoa, man, the energy here is fantastic. Oh. Yeah. All right. But how am I find some good mechanics to work up in here, man? I know a few guys. Come with me, friend. They're good people, I swear it. Man, I'm about to ride with this fool again. Come on, man. There's these two guys I know. Used to work on marine engines till the mob bought their business over in Vice. Now they try and make ends meet by taking any old job. They're a little bit dull by their habit, but the smoke don't get in the way of their skills with an engine. We'll pick up Jethro first. Last I heard, he was working at a garage over in East Basin.
Mais excellent, encore un petit easter egg bien sûr, une petite référence à GTA Vice City, hein, puisqu'on a effectivement acheté en tant que mafia. Il est complètement déchiré. Là, je pense qu'il y a une cascade magique. Alors, on va la prendre parce qu'on est. Oh là là, DMCA. Par contre, j'ai peur de pas être assez rapide. Petit raccourci, hein, à noter. Petit raccourci en A1. On va couper parce qu'après, on va se faire. On va se faire jeter. Là. Quoi? Shining razors, butterfly children. Watch yourself, dude. These cats are real serious. What the hell? Il est juste fou de ma gueule. Ok. De l'autre côté, hein. Mais non. Come on, Carl, get the fuck in. Alors. Alors, ce qui va se passer va peut-être mal se finir. Ah non, ça va, pas trop. Ok. Et voilà, bien sûr, comment on perd 20 minutes. Petit tuto. Donc, Ah. Cop. Hey, Jethro. Hop in, man. I've landed you a real job. Hey there, truth dude. Oh, man, do I owe you? Cause I swear I paid for that weed, dude. No, man, we're good. I think. Putain, les comptes, les comptes. Carl, Jethro. What's up, man? Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora District, west of here. Yeah. You sick? No. The government. Mais oui, bien sûr. But that's a long story. So you know, like, what's the deal, dude? I'm opening the garage in Doherty by the waste grant. You know, car mods, low riders, all that shit. Damn, polar bears shit in the woods. No, but they've been known to shit in the liquor tent. I remember it, right? Yeah, that was like so far gone. Ah ouais. Mais est-ce que c'était vraiment des ours polaires? Pose la question quand même. Que l'ours polaire ne serait pas une métaphore pour autre chose. Je pense qu'il faudrait y réfléchir sérieusement. Ah, je passe. Ah. Oh, don't look. Cover your faces. Think about a yellow rubber duck. You tripping again. Shh. Okay, I've seen enough. Let's go see if we can find Wayne.
He's working a hot dog van at the tram terminal in Kings. Come on, dude, what's all that about? You don't want to know. Why? Do you know what a subdermal neurophone is? A what? Exactly. Sometimes it's best to stay in the dark, kid. L'argument d'autorité. Excellent, excellent quand même. Allez, viens. Dude, Dwayne, man, how's the hot dog business? It's totally shit. Why? What's happening? What's happening, my friend? Carl here is opening a chop shop. Jethro's in. How about you? Yeah, cool, man. I've got like some shit to take care of first, though. So, you tell me where you guys are gonna be at, and I'll meet you dudes there. The garage is on the waste grounds in Doran. I'll see y'all later. Okay, next stop, cop station downtown. What? You out your mind? Why? If I told you, the likelihood is you'd get a probe up your ass within a month. Like, listen to the man, dude. He's real serious about that shit. Okay, but you started freaking out with all that spaceship, man. Okay, okay. Il est terrible, le hippie. Ah, vas-y, fais pas le shoot avec ta copine, non. Bon. Dans tous les cas, il faut pas mourir. Downtown. Okay, you know the drill. Don't look interested in anything. Picture a pink golf ball in your mind. Quel est donc ce petit van? We're good to go. Next, spacehead. There's an electronics guy I've had dealings with. Goes by the name of Zero. He could fix a supercomputer with a paperclip. He's got his own. Il a des yeux complètement dilatés par contre. Let's go introduce you to him. Look, what's going on, True? Look, what's going on, True? Who was him dude? Don't go there. Listen to Jethro. Yo, what if I told you we never went to the moon? JFK lives in Scotland with Janis Joplin. And the only reason we've been in the Cold War for the last 45 years was because snake-headed aliens run the oil business. I think you popped another one. Good. Keep it. Et si finalement il avait raison? Est-ce que des aliens à tête de serpent sont pas en train de contrôler les puits de pétrole, dis donc? C'est une révélation extraordinaire. Par contre, pour le coup de la lune, c'est... j'ai hâte qu'ils y retournent quand même. C'était quoi ça, les... Berkeley, this is stalking. Oh, hey, Truth. Get in. I'll fill you in as we drive. Home, James. Carl, Zero. Zero, Carl. What's up? Carl here is opening a garage around the corner. I told him you're the man to speak to when it comes to electronics. Actually, I'm the only man to speak to. Grade A tip-top genius. That's me. Okay. You should drop by the shop sometime. See some of my shit, bro. I'll do that. I smoke cigarettes, I smoke clothes, I smoke. Ça marche. Bon, on a la team. Okay, we here. La team est au complète. Ah oui. Week of hard work and we'll transform this place. Hey, Caesar, come over here. What's up, B? Caesar, this Jethro, Dwayne, and Zero. Hey, man. Dude. Salutations, my sibling. Orale, let's get to work. Hey, hey, Carl, look. I think I found a way for us to get paid. I ain't going to no college to study no account. No, idiot. Property.
Decorating ain't exactly my thing either. No, il comprend rien, il comprend rien, putain, il est con. Buy a dump like this, fix it up and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis, this all sound big time to me. Look, Carl, this place is gonna get on its feet, and when it does, we are gonna have money. If you wanna make something of yourself, you gotta let your money work for you. Look, I wouldn't even know where to start. Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? Yeah, that's my baby girl right there, Holmes. Man, you chose her. I'm stuck with her. Effectivement, la lune, les proportions... étaient un peu énormes. On va pas se mentir. Casse pas la lune que je vois tous les jours. You going to... Ok, très bien, petite sauvegarde. Ok. Allez, prochaine étape de notre garage. Putain, c'est comme le resto dans Masterchef, Top Chef. It's fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old Officer Pulaski into trouble? Yeah. Why don't you put that up in his car and give Weetip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah? Where'd I go find him? He's at the Van Cobb Hotel in the Financial. Oh, for sure. Ah, le respect à géométrie variable. Mais là, c'est des points en plus, quoi. Il est DA. Yeah. Beaucoup de policiers ici, hein. Hop, hop, hop. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ouh, Pendero. Ok. DMCA. Ou alors, il faudrait... En fait, faut juste enlever... Alors, faut que je regarde ce qu'ils avaient mis sur Twitch, là. Bon, on devrait pas être trop emmerdé, mais... sur les outils disponibles, les trucs comme ça. La 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 la. Mais bon, c'est vrai que ça devient un peu n'importe quoi. Mais... ça, c'est la voiture du... putain. Ça rame. Pardon, ça ramène du pognon quand même, procureur hein, aux États-Unis. Enfin, à San Andreas. Allez hop, un petit strike. Terrible, le pauvre, il a rien demandé. J'ai mal au cœur pour lui. Ah non, mais ça c'était pas la voiture, ok. Ok, c'était un guet-apens. Qu'est-ce qu'il est malin ce CJ. Ah, you must be the new boy. Get in line. Ouais, c'est ça. Gueule. Conduit ça. Là, voilà, là, c'est vraiment plus une bagnole de procureur. Ok, une mérite bleue. Non, je l'ai tue, non? Elle sera un peu louche. Là, on se met en... non. Allez, dégage. Et là, c'est pour qu'il y ait un peu de challenge. Je pense que la prochaine, c'est la bonne. Autrement, il me dirait pas... attends, il mettrait pas d'autres voituriers, quoi. Putain.
Où est-elle? Ah, c'est elle. Hey, that's the DA. He's a good tipper. Here you go. Va à ton garage pour changer la... ah, pour charger la caméra. Oui, il va pas falloir que je la casse, quoi. Ah, ça me gratte l'oreille, ça me gratte l'oreille. Pardon. Ah, je sais pas ce qu'il fait en 2 minutes à l'hôtel, mais c'est un rapide, le procureur. Oh, le bâtard. Attends, on l'a échappé belle. Ah non, elle est quand même cassée. Nick, bah, il va me la réparer, non? Ouais, il nous reste 1 minute 32. Oui, on devrait pas être trop mal. Qu'on fasse attention. La police intervient. Ça sert à rien de faire le fou. En fait, ça représente un peu la San Francisco. Ils sont cons. Ah, mais ça marche bien, le biz ici. Hein. Ok. Hop. Ah, un mur. Hop. Hello, this wee tip. I seen something highly suspicious. You should come check out. Police, don't move! Get out of the car with your hands in the air! Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up! You find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Allez, bim! US police, quoi. Voilà. Space, ça prend comme ça ici. Très bien. Merci. Le Kentucky vous remercie. Allez. Oh, on est sur une bonne dynamique, hein. Pas d'échec pour l'instant, évidemment. Ah, après avoir dit ça, ça se passe généralement mal. Pistes utilisateurs, mais ce ne sont pas du tout mes pistes. Oh merde. Ah, la voiture qui bouge du cul comme ça. C'est toujours rien. Air police. Sorry, Carl, are you busy? Zero? Nah, man, good to hear from you. What's up? Disaster. My landlord is selling the... What? I'll have nowhere to live and no safe haven from Berkeley. Ah, I'm looking to invest in some property at the moment. Maybe I'll swing by. Très bien. J'ai raté l'enregistrement comme vous avez pu le voir. Ah, pff, non, moi j'aime bien voilà, finir ce que j'ai commencé, donc déconstruction. Les trop bougent les fesses. Mais ils ont ce défaut dans le jeu, hein. Je sais pas s'il y a à la résolution ou quoi, mais... What? Don't
me. Who said this to you? The construction workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. I got this. I need to go teach him a little respect, huh? That's right. Yeah. I've been thinking about getting me some new land anyway. Ah là, Parkinson, quoi. Fait flipper la société de construction. Ah oh là là, terrible. Bousille tous les abris préfabriqués et bute le contremaître. Sers-toi des engins de construction pour détruire les abris préfabriqués. Oh là 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 là, ça. On va leur apprendre le respect. Monter dans la tour et s'amuser avec cette petite boule. Cette petite boule magique. La boule magique. Ah oh. Oh oui, j'aurais pu faire un gif Motus. Motus. Avec la boule magique. La boule noire. Ah, oh, c'est la boule noire. Allez, éclate-moi tout ça là. Par contre. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. Évite les barils d'explosifs. Ça va bien. Bagarre Monster Truck. Oh, ça se conduit, mais d'une manière affreuse. Ah, ça, ce n'est pas un abri. C'est affreux. Okay. Okay. Évidemment, on pourrait le tuer, mais... Se faire écraser par une machine de construction, c'est quand même plus marrant. Ah, oh, c'est affreux. C'est affreux. Bah oui, toi. Ok. Ok. Ah, ça va me saouler. Ok. Non mais je suis... Ça s'est mal passé. Ah putain, enfin. Au feu, au feu. Oh, c'est l'enfer. Ah, il était aux toilettes. What's all that damn clatter? Holy crap, I didn't see nothing. Pousse les chiottes dans le fossé. Et coule du béton par-dessus. Très bien. Je pense que par contre je vais descendre parce que lui il va vite me prendre la tête. Oh, je suis tombé. Putain, le champion du monde. Attends, attends. Possible de monter, non? Ok. Ensuite. Bon, c'est pas gagné.
C'est pas gagné tout ça. Est-ce qu'il y aurait un autre petit truc qui serait arrivé là ? Attends, j'ai pas commencé. Les gens qui pleurent avant d'avoir mal, c'est pas possible. Putain, j'ai autant de graisse. Normalement, ça devrait faire l'affaire, ça. J'ai pas besoin du truc de chantier, non. Maintenant, faut qu'il y ait de la place, quoi. Parfait. La 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 la, évidemment, on n'entend rien. C'est le DMCA. Mets-toi dans l'axe et fais reculer le camion. Voilà. Ah non, ils ont tout enlevé quand même. Ah, les coquins. Oh, la pire des morts, quoi, quand même. Ah, quand on fait un petit bilan sur le truc, quand même. Quand même pas terrible de mourir comme ça, quoi. Alors, est-ce que c'est hermétique? Est-ce que ça passe à travers ou genre tu... Est-ce que tu meurs du ciment ou tu meurs du fait d'être étouffé? Yeah, what? Yo, man, it's Jethro, dude. Question. Hey, Jethro, what up? Well, I was talking to Caesar, and, don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there dude when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa! What is your point, Jethro? No point, man, no point. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you're trying to say, man. Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, ouais. Jay. I'll see you later. Oulou. Ça, c'est cool. Ah, qu'est-ce que ça donne là? CJ. You got it? Hey, my cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to San Fierro to score yay. Shit! We gotta find out who's supplying those cats. Okay, let's go! Alors toi, par contre, t'as une très jolie voiture. Ouais, direct. Plus de respect, quoi. Oh putain, de la Eurodance. Attends, là, je pense que je me fourvoie. Putain, mais César, il est où, César? Shit. Je reprends l'autoroute, quoi. On reprend l'autoroute des vacances. Quand ça craque comme ça, c'est pas mon signe, hein. Ah non, ça c'est pas la bonne. Sorry, désolé. Alors je suis toujours recherché par la police, je ne comprends pas. Est-ce que je prends la bonne route? Il aurait fallu que je tourne à droite du coup. Ah attention. J'avoue. Pardon. Ok, là la route est bonne. Ah non. Putain, le GPS quoi. Le GPS n'est pas dans ma tête. Hein. Ok, on est bon. Ça avance propre.
Ou des fois, on prend des petits raccourcis. Ah. Je me demande ce que fait cette voiture dans le bois. Arrêtez sur le bas-côté. J'en dirai pas plus. Non, je suis en train de redescendre. Si c'est ça, Non, j'arrive là. Okay. Pourquoi par défaut, c'est pas super? Oh là là, mais je suis tellement loin. Enfin, loin, tout est relatif, hein, au final. Qu'est-ce qui est loin? Qu'est-ce qui est près? Non, non, t'as pas le droit de faire ça. Elle a dérapé un peu sur le côté, là. Ça passait là. J'étais totalement en contrôle de mon véhicule, je suis désabusé. Lui il dit continue, passe le pont et à gauche. Okay. Oh. Tranquille. Oh là là, j'ai mis la nitro. Oh non! Ah, j'avais une... Ouais, quoi, qui a fumé un peu trop long. J'avais un bolide. Et ce sera probablement la dernière mission pour ce midi. Oh, en plus, faut que j'aurais... Oh là, il se fout de ma gueule. Elle est où? Elle est où? Ah, elle est là. Ok. Traverse le pont. Follow the road and maybe we can pick them up. Ah, est-ce qu'il bouge ou pas? C'est surtout ça la question. S'il bouge pas. Intersection. À gauche. Après, il faudrait que je passe sous. Hein. Le coup à droite. Là. Et là, et normalement, on devrait être pas trop mal. Le scur! Je sais pas comment Twitch va gérer la notion des DMC. Le pognon qu'ils ont, ils devraient passer un espèce d'accord. Fin. Parce que bon, quand t'es dans un jeu, voilà, t'as pas de chance. Hein, bon. Voilà, typiquement, je regardais MV qui jouait à. J'ai rien à dire aux diffusions, mais. Sur Watch Dogs, bah. En fait, enlever la musique, du coup, ça enlève copyrighté, ça enlève quand même un... Ah, je trouve de l'ambiance, quand on est dans Londres, etc. Alors, une compagnie... C'est un peu... voilà, quoi. C'est comme GTA, quoi. GTA en voiture, on enlève la musique. On se fait chier, quoi. Quand même pas pareil, quoi. Tout.
Oh, l'habileté au volant qui ne s'arrête plus, mais que se passe-t-il? Est-ce le fait de rouler à des vitesses folles et de slalomer parfaitement entre les véhicules? Attention, on double jamais en haut d'une colline! Ah. Okay. A freedom! Très bien, nous allons monter donc sur le toit. Avec mon fusil de... avec ma carabine de précision, plutôt que mon fusil. Photographie le visage des cibles, ne rate pas et assure-toi qu'il soit discernable. There it is, Holmes. Rod, you sure head. This business is bigger than any gang, S.A. Little bitch. Qui c'est ça? This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. What now? Is that it? Ah non, c'est pas fini mon gars. Hey, who's the gringo? I don't like the look of that guy. This more than a few thugs pushing product. It's a serious organization. How many of these clowns are there? Ah, I know a pimp when I see one. They being clever about this. It ain't no exchange of nothing incriminating. Oh là là. Un tournant dans GTA, un tournant. Et là, bim, tu balances une grenade et on n'en parle plus. That was some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? Coolio, we got what we came for anyway. Hey, Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Okay, I'ma see what I can dig up. Ah! Hey, bonjour, monsieur, excusez-moi, il semblerait que vous m'ayez agressé. Ok, alors on va essayer d'intercepter ça, parce que depuis le temps que ça traîne. Que ça me. Je prenne à droite ici ou pas. J'ose pas écouter ce qu'il va dire. Oh putain, ouais, ça va être chaud. Oh! Il a éclaté ma gueule, le bâtard. Ah, mais là, je suis mort. Jamais de la vie, j'arriverai à la récupérer. Parce que là, je suis pas du tout au bon endroit en plus. Essayer de voir, mais j'y crois moyen quand même. Mec, trabat comme un ouf. Est-ce qu'on récupère quelque chose? J'ai pas l'impression. All the news. The government wants you to hear.
Le bâtard. Non, bah non, t'y vas. Putain, tu vas en plein dedans, connard. Pas être trop mal là, non? Ok, on va prendre nos... Non, oh, putain, mais il passe à la radio, lui? Mon dieu. Look, my friend. Why you rap about Louisiana person? Straight. You know the prince told us Louisiana so we would have a place to show our deal. My point is exactly. Yeah, we need more naked liquor. Exactly. Look, I'm no rapper, even though I dress like one, but I think I could really get into, you know, getting hammered, singing about setting things on fire. Ah, je suis presque, je sens que je vais me faire baiser. C'est terrible. Ah, je vais me faire baiser. Tu le sens ou pas? Non, non. Cassez-vous! On bat les couilles! Ah, je suis pas sauvegardé par contre. Ah, peut-être pas du trop me battre les couilles que ça. Allez, vends-moi du rêve. Je m'auto-vente du rêve, bordel. Bien sûr, ça passe à 50. 50% ça passe quoi, 50%. Putain, mais on voit rien avec ces bagnoles de merde. Ah putain, ils sont là, ils sont là, ils sont là.
Dire que j'avais tout. Tout était à moi. Ah non, c'était pas lui. Fuck. Je t'ai vu. J'ai vu ta petite flèche rouge. Ah bah je prends. Et maintenant qu'il se... On va aller sauvegarder. C'est bon, on est dans les temps. Ah, en plus on a plus la... Parfum. Aïe. Oups. Par contre. On va retourner. Est-ce vraiment une bonne idée? Ah, je pense qu'on va pas avoir trop le choix. J'ai quand même... J'ai quand même cette chance de pouvoir taper un petit peu tout ce qui bouge. Ah, attendez, il y a une voiture là. Je vais le sauvegarder plutôt ici. Ah, est-ce que le paint peut me la réparer ou pas? Eh, je touche pas à ça moi. C'est trop, c'est trop... Oups. Merde, faut acheter. You have a bad week, huh? I'll make it worse for that. OK. Very intelligent. C'est affreux. Au secours. Ah, mais on voit rien! On voit rien! Eh, tiens bien quand même! Hein. A voir si je fais une voiture, enfin des missions de police. Probable que je prenne celle-ci quoi. Ah, salut, comment va? Bah écoute, ça va pas trop mal. Et toi? Désolé, je suis en pleine concentration et. Ah merde, c'était... Ah écoute, laisse-moi être optimiste. T'as un peu d'optimisme, c'est le trafic de drogue, vraiment ça rapporte du pognon quoi. Putain, 2000, ouais. Putain, 2000, c'est juste des munitions pour mon MP5, quoi. C'est quand même pas terrible. Bah écoute, ça va, et toi, comment on va? Ah, malheureusement, tu arrives à la fin. À la fin de la session. À la fin. Oh là là. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ce qui... Eh, mais descends. Ce qui devait arriver arriva, malheureusement. Eh oui. Après, c'est l'heure de repartir. Enfin, de repartir. De se relancer dans le télétravail, bien sûr. Plein de choses à faire en plus aujourd'hui. Un petit café. Un petit café et c'est reparti au boulot. Ah, on est là le soir aussi, hein, donc voilà, si jamais tu te perds et que tes streamers préférés ne sont pas en ligne, tu peux venir t'emmerder chez moi. Ah, y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Et comme diraient tous ces youtubeurs, n'hésite pas à appuyer sur la cloche. et à follow la chaîne, bien sûr.
Ah oui, alors GTA, dans la programmation, parce qu'il n'y a aucun programme, hein, aucun planning, etc. Il faudrait que ce soit un peu plus sérieux quand même sur cette chaîne, mais... En gros, le midi, c'est GTA, le soir, c'est Heroes of Might and Magic. Et parfois, quand on sait pas trop quoi faire, on peut faire autre chose. Et j'ai plein de jeux. Trop de jeux. En fait, je devrais faire du Dofus. Mais j'aime pas Dofus. Oh, ça passe. Oh, ça passe pas. Sors. Ah non, on court. Ah oui, bah oui, c'est ça. Il en faut. Ah, il en faut toujours hein, des cons hein, qui ont pas compris comment le système marchait. Je peux pas. Les CJ là, fais pas le fou quand même. Merde, putain, t'es carafe et tout, tu peux pas monter. Mon frère, il m'a dit, mais mec. Arrête de jouer à tes jeux de mort. Hein. Petit Dofus. Un petit call-off, ça passe. Allez, très bien. On est à côté du garage, hein, ça va. Mais quelle idée aussi, putain, c'est dangereux, normalement, il y a des barrières comme ça. Ouais, c'est un peu loin, quand même. Est-ce qu'on connaît le bannissement? Oui. Alors, est-ce qu'on l'a vécu? Pas forcément, mais... Ah, la fameuse... C'est vrai, il faudrait investir dans une webcam de ces morts. Histoire de me voir pleurer, rager, casser ma... Enfin bref, mais en fait j'ai deux soucis. Le premier, c'est que je ne suis pas dans un espace fermé, entre guillemets, donc je suis dans mon salon. Et j'ai pas forcément envie de voir soit ma fille, soit ma chère et tendre être exposée. Et deuxièmement, il faudrait que j'investisse dans un fond vert. En gros, pour éviter ça. Et puis, bah, troisièmement, j'ai pas de webcam. Mais je suis tout à fait d'accord, il est vrai que le fait de montrer sa gueule semble quand même attirer plus de monde. Ma chère et tendre peau, oui, aussi. Ah merde, non, c'est pas la même. Mais effectivement, oui, il est vrai, mais ça nécessiterait aussi que je commence à m'habiller, quoi. Donc oui, c'est prévu, j'espère bien monter un nouveau PC d'ici peu, dans lequel je rajouterai une webcam, une prise de vue en tout cas. Et avec un peu de chance, je suis en train de faire des travaux. Pardon, on va commencer à faire des travaux aussi au niveau d'une de nos chambres pour la transformer un peu en salle de bureau. Donc peut-être que le PC et tout ça va être envoyé là-bas, je sais pas encore. Mais voilà, malheureusement, il y a ça quoi. Alors moi j'avais tenté le. Oh, c'est quoi? C'est le Shadowplay là? Non, c'est pas ça, c'est peut-être pas ça, hein. Mais j'avais tenté avec Nvidia, mais putain, j'ai des problèmes avec les vieux jeux. Donc ils sont pas reconnus par Nvidia, et du coup, les résolutions sont juste trop dégueulasses. Donc OBS, pour moi, me va bien, en fait. OBS me va bien, après j'ai commencé à faire 2-3 scènes, je sais pas si c'est possible, sur le Nvidia Broadcast. Honnêtement, je me suis pas du tout renseigné sur ce que ça pouvait apporter. Moi, j'étais resté sur le Shadowplay. Et puis pareil, je pense que je repartirai peut-être sur du Shadowplay avec les nouvelles RTX qui vont intégrer notamment la diminution du bruit et tout ça. Donc voilà. Alors après moi je suis toujours ouvert hein, aux propositions. Je suis pas. Entre guillemets, je suis pas le plus doué là-dedans, j'essaie de m'enseigner un peu à droite à gauche, donc en tout cas, faut pas hésiter à faire des recommandations, et puis et voilà, donc à l'heure actuelle, non, c'est vrai que je mets pas ma gueule.
Ouais, non, c'est bon, là, j'ai... c'est bon, j'ai tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Vous ne verrez pas mes plans d'action commerciaux ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. Everything is under my control. Ou pas, mais bon. Quoi qu'il arrive, en tout cas, merci. Ah, je vois que les gens commencent à s'exciter. Ouais, mais c'était un test pour voir si les viewers étaient regardaient bien mon écran. C'était important. En tout cas, oui, non, mais voilà. C'est vrai que la question... j'avais posé la question il y a pas longtemps de savoir si ça avait vraiment un impact de montrer sa gueule, puisqu'au final, pour moi, c'est... Enfin, quand je joue à un jeu, c'est vrai, je regarde le jeu, pas forcément la gueule du streamer, mais a priori, bon, peut-être qu'au niveau des réactions, de l'interaction, peut-être que les gens sont plus à l'aise ou viendront plus rapidement voir quelqu'un qui leur parle, où on voit les mimiques, les gestuels, les choses comme ça, donc c'est possible, hein, c'est possible, tout est possible, ma foi, il faut, après, encore une fois, moi, c'est pas mon idée, c'est pas d'en faire un métier, en tout cas, enfin, c'est pas mon objectif, hein, d'autres priorités et d'autres choses à faire, mais pour rendre le truc un peu plus classe et un peu plus... ça n'empêche pas de rajouter, comme tu l'as dit, peut-être la webcam et de voir ce que ça peut donner. En tout cas, de faire un test. Ça apporte vraiment quelque chose au stream. Je prends note en brie. Je prends note. En tout cas, voilà. Écoutez, moi, je vais vous laisser. C'est l'heure, voilà, du petit café. En tout cas, on se retrouve donc très bientôt, plutôt ce soir, je pense, donc sur Heroes of Might and Magic 4. Ou plutôt... demain, du coup, non, parce que je dois repasser sur mon lieu de travail, donc à midi, je serai occupé, mais bon, peut-être un stream du midi dans en courant de la semaine, en tout cas, on se retrouvera tous les soirs sur Heroes, voilà, ou peut-être du GTA, du coup, enfin bref, on verra bien. En tout cas, passez une excellente journée, encore merci d'être passé, et bon courage à vous tous, ciao, ciao.